Wow! Et salam le monde, ça Kimba Possible, j'espère que vous allez bien. On bien sûr pour une nouvelle vidéo réaction avec les gars, le tout dernier clip du youtubeur Théodore. Le titre c'est Joyeux Noël. Bien sûr, ça tombe le jour du réveillon, pourquoi pas. Donc les gars, j'avais envie de réagir à ce clip parce que voilà, j'étais tombé dessus comme ça. Et je me suis dit non, je vais y réagir en vidéo. En plus, on avait déjà réagi à un clip de Théodore qui s'appelait Tout Pété, qui était un gage de Mastu à l'époque. Et du coup, bon, je me suis dit, allez, on va voir, peut-être qu'il va avoir un truc lourd, peut-être un truc drôle, une parodie, je ne sais pas. Ça va être de la surprise. On sait pas trop à quoi s'attendre, donc du coup les gars, j'ai envie d'y réagir. Et puis c'est une occasion aussi pour vous fêter. Non, pas du tout. Mais surtout pour vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année et un joyeux Noël, les gars. Et lâche ton like du coup. Et aussi tu t'abonnes en activant cette fucking cloche. Parce qu'à un moment donné, il va falloir l'activer. Et en commentaire, voilà, tu me dis ce que t'as pensé du bail. Et même ce que tu penses du youtubeur Théodore en général, que ce soit à côté. Musique, son délire, tout ça. Tu me dis quoi? Allez, la go! Oh là là. Oh la vache. Bonjour Titouan. Ça fait peur, hein. Cette entrée là, c'est le Père Noël ou le pédophile Noël? Je sais pas, hein. C'est le 25 décembre, la cheminée, je descends. Je sens que t'as la pression. Ton papa est présent, il est jamais. Titouan. Frère, franchement, je suis désolé, hein. Peut-être qu'il y a un Titouan qui regarde cette vidéo à cette heure-ci. Je sais pas, il y a des blazes. Franchement, je pense que tes parents. En fait, tes parents. Si tu. On va être clair. Si tu veux savoir à quel point tes parents t'aiment ou t'aiment pas, regarde le blaze qu'ils t'ont donné. En général, il y a un indice. Le tout nouvel iPhone 13, rose. C'est rose. Oui, ma PS5. Ah ouais. Ah là, changement d'instru. Ça va partir en Yoku, non? J'en ai marre de passer par la cheminée. J'en ai marre de stopper la machine. Des cadeaux construits par des petits en chiffon. J'hallucine quand je vois les petits chinois qui bossent à la chaîne. Wow! Moi, je suis choqué là! Oh! Mais c'est quoi cette dinguerie, wesh? Ah ouais. Eh les gars, je suis choqué là. Du coup les frérots, le clip de Théodore, Joyeux Noël. Alors je suis choqué, pourquoi? Parce que même si je me demandais si on allait être sur une parodie, un truc délire Théodore, un truc on va dire un peu léger, ou un truc, un son sérieux mais dans la thématique bien sûr, hein, de Noël et tout. Donc je me dis peut-être un truc aussi qui va me saouler, parce que moi je vais pas vous mentir, hein, blague à part, cette période là, bon, je suis pas hyper fan parce que tout le monde parle que de ça. On est tous en pression sur ouais il faut acheter tel cadeau, ouais. Oh frère, voilà, bon bref. Et là, je suis choqué parce que du coup, on a une première partie, on va dire un peu légère justement, avec le côté Noël, festif, oui, le Père Noël qui vient t'offrir tes cadeaux. Et puis, la transition avec le gosse qui est pas du tout content et qui lui fait la morale avec ce qui se passe aussi dans le monde entier et qui se rendent compte que, c'est quand même déjà à la base un pourri gâté, quoi. Il a déjà des cadeaux, il y en a, ils en ont même pas. Et déjà, leur cadeau, c'est de pourvoir, et il pas mal ce mot. Le seul cadeau qu'ils demandent, c'est limite de pouvoir vivre leur vie. Donc là, voilà les références à Ouïghour, les enfants en Afrique, Israël, Palestine. Enfin voilà, je trouve que Théodore a traité pas mal de sujets et a essayé de mettre en lumière à sa manière l'œil qu'on a aussi, qu'on a même plus sur ce monde là. Franchement là, j'avoue que j'étais choqué. Je trouve que ça a été un texte bien travaillé. Le flow Théodore, de toute façon, moi je l'avais déjà validé. Je trouve que même si c'est un youtubeur, je trouve qu'il a
là il a une personnalité musicale, je le trouve très très bon, il s'adapte aussi à tout type de son. Et voilà, moi je serais très curieux de l'écouter sur un projet. Maintenant voilà, les youtubeurs commencent à sortir des projets et tout, donc pourquoi pas, voilà, après les Squeezie, McFly et Carlito ou même Seb Lafrite, voir un Théodore en 2022 ou 2023 sortir un petit projet sympa et à sa personnalité, un truc qui lui ressemble bien. Mais là franchement le clip je l'ai trouvé ouf, en plus avec l'ambiance, voilà, le repas familial et tout, enfin c'est vraiment le cadre quoi, et le délire avec le Père Noël qui lui fait la morale au gosse. Franchement j'ai vraiment kiffé cette scène, et ouais non franchement très très bon, gros talent le Théodore. Moi il a un peu une patte Mister V, vraiment moi quand là je vois les vidéos de Théodore ça me fait vraiment penser à Mister V à l'époque, vraiment les débuts de Mister V où il mixait on va dire parodie musique tout ça avant que Mister V se lance à fond dans la musique en mode sérieux. Et là vraiment j'ai l'impression que limite Théodore c'est un fils de Mister V en fait, tu vois. Après bien sûr Mister V je le trouve vraiment plus fort, mais Théodore a sa personnalité mine de rien, tu vois. Je pense qu'il a dû s'inspirer d'un mec comme lui, comme Mister V, et voilà, et il arrive quand même à faire son truc, et il est très très fort, c'est un monstre aussi hein. Donc tout ça pour dire que franchement Théodore chapeau, je valide fort, et joyeux Noël du coup. Donc voilà les frérots, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas bien sûr à lâcher un maximum de likes et à vous abonner en activant cette fucking cloche. Et les frérots, dites-moi en commentaire si vous avez kiffé ce clip, si vous avez kiffé le DR de Théodore, et dites-moi aussi en commentaire, voilà, quel cadeau vous avez reçu là pour ce Noël, tout ça, voilà, racontez-moi vos fucking lives, ça me ferait plaisir. Et quant à moi, on se retrouve bien sûr très très vite les gars, là j'ai préparé des vidéos en balle les frérots, parce que je pars en vacances, ouais, je pars à La Réunion, cool. Voilà, t'as le seum, ça fait plaisir, et limite j'ai envie même de te laisser là-dessus. C'est cool. Bref, c'était un game impossible. Je vous aime, je vous laisse et je vous fais la fucking bills. Attends.